Goedemorgen. Hartelijk welkom bij dit webinar van het Federaal Planbureau dat u een inkijk zal geven in de methodologie waarop de demografische vooruitzichten tot stand zijn gekomen en natuurlijk ook in de resultaten. En wat u wellicht bezighoudt is welke impact heeft de coronacrisis gehad in heel dit verhaal? Wel, hoewel de bevolking op lange termijn in een langzamer tempo zal aangroeien dan in de voorbije 30 jaren, is dit niet te wijten aan het COVID-verhaal. Verklaringen daarvoor zijn veel eer te zoeken in de evolutie van de vruchtbaarheidsgraad, de babyboomgeneraties die hoge leeftijden bereiken en die dus meer sterftes tot gevolg hebben, en de evolutie van de internationale migratiestromen. Zien we dan geen impact van de pandemie? Natuurlijk wel, maar veel eer op korte en middellange termijn. Met uitschietende cijfers in sterftes en migratiestromen, maar die in de volgende jaren voor een groot deel gecompenseerd worden door tegenovergestelde bewegingen dan die we waarnemen in 2020. En de impact van de COVID-pandemie heeft ook bijkomende onzekerheden met zich meegebracht, wat een negatieve impact heeft op de fertiliteit of op de vruchtbaarheidscijfers. In ieder geval blijft de vergrijzingsproblematiek aanwezig. Marie van Dressen van het Federaal Planbureau zal dit alles haarfijn uitleggen in het komend uurtje. Zij zal in het Frans presenteren, maar de slides in het Nederlands aanbieden. Mocht u het webinar niet of onvolledig kunnen volgen, omdat u verhinderd bent door andere verplichtingen of door spelende kinderen op de achtergrond, nu zij een extra weekje vakantie hebben, dan kunt u dit webinar op een later tijdstip ook bekijken via ons YouTube-kanaal, waarvan u de link gemakkelijk terugvindt op de website van het planbureau www.plan.be. Ik wens u allen een leerrijk uurtje en vragen kunnen gesteld worden gedurende de presentatie in de Q&A. Op het einde van het webinar zal daar dan op geantwoord worden, maar ik zou zeggen, laat u niet beetnemen op deze 1 april. Marie, het woord is aan u. Merci Saskia pour l'introduction. Alors je vais directement en fait commencer par donner un petit peu le fil conducteur de cette présentation. Et dans une première étape, donc avant de passer en revue les différents résultats de la projection, il me paraissait nécessaire d'expliquer dans les grandes lignes la manière de procéder pour réaliser une projection de population, et vous apercevrez assez vite que pour faire une projection de population, il faut faire un ensemble d'hypothèses sur les décès, les naissances et la migration internationale. Dans le cadre de ce séminaire, on va se focaliser sur la projection de population pour la Belgique, donc au niveau national. Donc on va pas je ne vais pas consacrer du temps à la migration interne. Donc il s'agira de la migration internationale, autant les immigrations que les émigrations. Après avoir passé un certain temps là-dessus, je présenterai les résultats principaux de la projection de population pour la Belgique et bien entendu, suite au contexte actuel que tout le monde connaît, donc le Covid-19 et de manière plus générale la crise sanitaire, on va aussi passer un peu de temps pour mettre en évidence l'impact justement de cette crise sur les projections de population, et puis je terminerai en présentant quelques défis auxquels la Belgique devra faire face dans les prochaines années. Alors, ça pourrait peut-être paraître un petit peu contradictoire, mais je commence en fait cette présentation par vous donner un chiffre précis. 12 767 966 habitants en 2070. Alors, c'est le résultat final en fait de notre projection, mais pourquoi est-ce que je montre ce chiffre? C'est pour se poser la question, en fait, est-ce que ce résultat si précis est si important? En fait, la réponse est plutôt non. Pourquoi? Parce que une projection, comme n'importe quelle projection, mais ici, ce qui nous concerne, donc c'est la projection de la population. Donc, une projection ne prétend pas prédire le nombre exact d'habitants en 2070. Au bureau du plan, on fait des projections jusqu'en 2070 pour ce qui concerne la démographie. Mais ce qui nous intéresse quand on fait une projection, c'est de réaliser, de publier une évolution probable
de la population qui réside en Belgique et une évolution probable qui se base sur un ensemble d'hypothèses qui sont posées dans un contexte socio-économique et démographique donné. Donc, cette projection a comme objectif de servir d'outil d'aide à la décision. Bien entendu, maintenant, la question qu'on va aborder au fur et à mesure de ce séminaire, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 12,8 millions habitants en 2070. C'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Et en fait, comme je l'ai déjà mentionné, mais en fait, cette évolution va dépendre de l'évolution ou des hypothèses qu'on va prendre sur l'évolution future des composantes de la croissance de la population. Donc, les composantes de la croissance de la population, ce sont les naissances, les décès, l'immigration et l'émigration. Ces hypothèses, elles sont mises à jour de manière récurrente. Au bureau du plan, on met à jour ces hypothèses chaque année. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre à jour ces hypothèses? C'est pour essayer à chaque fois d'intégrer l'évolution des différents composants de la croissance de la population. Et sur ce slide-ci, vous voyez en orange, en fait, la dernière projection qui a été publiée donc, en janvier 2021. Et pour lequel on a publié un rapport très détaillé hier. Et puis, vous voyez en gris, en fait, l'ensemble des projections de population qui ont été publiées par le Bureau du Plan depuis 2000. Donc, l'intérêt aussi de ce genre de graphique, c'est de montrer qu'en fait, une projection évolue en fonction de l'évolution socio-économique et démographique, donc en fonction de l'évolution du contexte. Ce qui est important aussi ou intéressant de noter, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avance, donc au fur et à mesure qu'on va vers un horizon plus lointain, 2070, on a des incertitudes aussi qui sont beaucoup plus importantes. Alors bien entendu, faire un ensemble d'hypothèses donc, sur les composantes de la croissance de la population, mais dans les dernières perspectives démographiques, on a dû aussi intégrer l'impact de la COVID-19 sur les composantes de la croissance de la population. Alors avant de parcourir une à une l'ensemble de ces composantes, je vous présente encore un petit graphique pour vous montrer, enfin plutôt un schéma pour vous montrer comment le modèle fonctionne. Le modèle est assez simple au niveau de son mécanisme. Donc en fait, on va partir de l'observation de la population au 1er janvier 2020. Donc c'est une observation sur la base du registre national et qui est publiée par StatBel, l'Institut national de statistique, qui collabore d'ailleurs pour réaliser ces projections de population, une collaboration avec le Bureau du Plan. Donc on a la dernière, le point de départ, c'est la dernière observation, 1er janvier 2020. Et puis, on va soustraire les décès qui ont lieu en 2020, ou qui ont eu lieu en 2020, ajouter les naissances, et puis on ajoute également l'immigration, desquelles on soustrait l'immigration. On obtient ainsi la population qu'on appelle au 31 décembre, toujours 2020, et puis de manière assez naturelle, on la définit comme étant aussi la population au 1er janvier 2021, ok, et puis pour l'année 2021, on va à nouveau soustraire les décès et les émigrations et ajouter les naissances et les immigrations. Et donc le modèle tourne de manière itérative en additionnant et soustrayant en fait les différentes composantes de la croissance de la population. Et on fait tourner ça jusqu'en 2070. Bien entendu, le cœur du modèle en fait se situe au niveau des hypothèses sur les évolutions futures de la fécondité, de la mortalité et des migrations internationales. J'ai mis ici de manière un petit peu moins évidente aussi qu'il faut faire des hypothèses sur la migration interne parce que le Bureau fédéral du plan réalise des projections en fait au niveau des arrondissements et donc la projection de population pour la Belgique correspond à la somme de la projection de population au niveau des arrondissements. Mais on n'en parlera pas dans le cadre de ce séminaire par manque de temps. Donc voilà, c'est une composante qu'on ne va pas analyser ici dans les 30-40 minutes qui nous restent. On va par contre maintenant passer en revue les différentes composantes avant de finir par la croissance de la population. Alors on va commencer par les décès. Alors, comment est-ce qu'on obtient une projection du nombre... excusez-moi, on commence par les naissances.
Alors, comment est-ce qu'on obtient une évolution ou une projection du nombre de naissances? En fait, les naissances, c'est le produit de deux variables, le nombre moyen d'enfants par femme et le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. On définit dans le modèle entre les femmes de 15 à 49 ans. Alors, si on regarde le nombre moyen d'enfants par femme, il faut savoir, et c'est comme ça pour l'ensemble des composantes, en fait, si on veut faire une projection du nombre de naissances, la première chose à faire, c'est d'analyser le passé et de voir si par rapport à ce qui s'est passé sur les 10, 15, 20, 30 dernières années, est-ce qu'on va poursuivre ces tendances ou est-ce qu'on va les, si ce sont des tendances constantes, est-ce qu'on va les maintenir constantes dans le futur ou au contraire, est-ce qu'il y a des raisons qui nous poussent à inverser ces tendances? Alors ici, dans le cas de la fécondité, vous pouvez voir qu'il y a une baisse du nombre moyen d'enfants par femme depuis 2008. Alors, cette baisse de la fécondité depuis 2008, elle s'explique en fait par deux éléments. Tout d'abord, il y a eu la crise économique et financière en 2008, qui a eu un impact sur la fécondité. Et ça, on l'a observé par le passé. En général, quand il y a une crise économique, ça génère de l'insécurité sur le marché du travail. Et donc, ça génère aussi des pertes de revenus, des difficultés financières plus importantes parmi les jeunes couples. Et donc, en général, les jeunes couples ont tendance à retarder en fait les projets de fonder une famille. Et donc, ce n'était pas étonnant d'observer une baisse de la fécondité quelques années après la crise économique et financière. Maintenant, indépendamment de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l'économie, donc avant ça, l'économie avait quand même repris un certain dynamisme après la crise économique et financière, et la fécondité n'a pas réagi à cette reprise, elle a continué au contraire à baisser. Et donc là, quand on regarde un petit peu la littérature au niveau de la démographie, en fait, les explications qui viennent, c'est qu'en fait, on a aussi une évolution de la société où on a une incertitude qui est beaucoup plus croissante aussi sur l'évolution de notre futur. Par le passé, peut-être que les couples se disaient « la situation est mauvaise, on va attendre une meilleure situation ». Maintenant, il y a un autre élément, c'est de dire « la situation est mauvaise, mais comment est-ce qu'elle sera dans le futur ?» Donc, il y a même des incertitudes, des points d'interrogation sur l'évolution de nos sociétés. Et donc, tous ces éléments-là, pousserait aussi les couples, non pas seulement à retarder le projet d'avoir des enfants, mais aussi à diminuer le nombre d'enfants désirés. Donc, quand on prend ces deux éléments-là en compte, ce qu'on retient comme hypothèse, en fait, pour le futur, l'évolution future du nombre moyen d'enfants par femme, c'est qu'on aurait un effet de récupération, où on arriverait à 1,7 enfants par femme en 2040, donc une certaine reprise de la fécondité, mais qui n'atteindrait pas des niveaux comme on l'observait en 2008, donc un niveau de 1,8. Parce qu'on aurait dans le futur une récupération, okay, mais une récupération partielle. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que par rapport à la projection qu'on a publiée l'année passée, on a revu à la baisse, en fait, le dynamisme de reprise de la fécondité. Pourquoi? Parce que suite à la crise sanitaire, on a, si vous voulez, une couche d'incertitude supplémentaire qui est venue s'ajouter dans les décisions des couples pour avoir, qui souhaiteraient avoir un enfant. Et donc, certains couples vont à nouveau sans doute se dire « on va encore postposer le projet de naissance, voire l'abandonner ». Et donc, on a une reprise de la fécondité qu'on a, si vous voulez, rendue moins dynamique suite à la crise de la COVID-19. Donc ça, c'est une explication sur le premier facteur qui va déterminer l'évolution du nombre de naissances, donc le nombre moyen d'enfants par femme. Maintenant, ce nombre moyen d'enfants par femme, il est multiplié par le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Alors, pourquoi est-ce que ce que vous voyez ici dans le graphique de droite, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir aussi en tête ce graphique-là? C'est que déjà, vous l'entendez aussi pas mal, je pense, dans la presse, c'est que il y a une baisse des naissances depuis 2008. Oui, il y a une baisse des naissances, mais qui s'explique effectivement, on parle une baisse du nombre moyen d'enfants par femme, mais aussi, on voit aussi que depuis 2008, il y a tout simplement une baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants.
Et donc, c'est un élément qui explique aussi la baisse du nombre de naissances. Et ce qu'on voit pour les années, voilà, jusqu'en 2030, eh ben, c'est qu'on a une augmentation, par contre, du nombre moyen, du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Alors, si on combine ces deux éléments, donc à la fois le nombre moyen d'enfants par femme et le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, on obtient l'évolution du nombre de naissances. Alors, vous voyez, donc, d'ici à 2040, on aurait une reprise des naissances, une reprise qui s'explique à la fois par une remontée du nombre moyen d'enfants par femme, mais aussi par un dynamisme un peu plus important du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Pour vous donner aussi une meilleure perspective en fait de cette évolution future par rapport à ce qu'on a pu observer dans un passé, mais dans un passé beaucoup plus lointain, on vous montre ici l'évolution des naissances en fait en Belgique depuis 1841. Vous voyez ben, la période du baby boom aussi où là on a clairement on a eu tout, voilà un nombre important de naissances. Ce qui est important de ou intéressant de pointer ici sur ce graphique, c'est qu'en fait, le baby boom, il s'explique, ou la hausse des naissances durant le baby boom, mais s'explique plus par une évolution à la hausse du nombre moyen d'enfants par femme. Alors qu'actuellement, en fait, quand on voit les fluctuations à la hausse ou à la baisse, en fait, c'est davantage lié à une modification dans le calendrier de fécondité en fait, de la femme, à savoir que les femmes font leurs enfants de plus en plus tard et donc dans un premier temps, ça va avoir un effet à la baisse sur les naissances et puis à l'effet de récupération, hein, 5-10 ans plus tard, où on a une reprise des naissances. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu remettre bah, cette évolution en fait dans le futur, mais aussi dans un contexte beaucoup plus lointain quand on regarde en arrière. Passer à la deuxième composante au niveau des décès. Alors, pour faire une projection du nombre de décès, on a aussi, tout comme pour les naissances, deux éléments qui sont importants. On a la population soumise au risque de mourir. Donc, la population soumise au risque de mourir, c'est tout simplement la population qui réside en Belgique au 1er janvier de chaque année. Alors, je vous montre ici l'évolution de la population en Belgique, mais seulement pour les 80 ans et plus. Pourquoi? Parce que c'est la population où le risque de mourir devient de plus en plus important. Et donc, premier message ici, quand on voit ce graphique, c'est que déjà dans le futur, on aura une population soumise au risque de mourir qui sera beaucoup plus importante. OK, on voit de nouveau ici sur la période 2025-2040, une augmentation importante de la population des 80 ans et plus, bien entendu liée à la fameuse génération baby-boom d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est la population soumise au risque de mourir. Qu'on va multiplier par quoi? Donc on va multiplier par ce qu'on appelle en démographie les quotients de mortalité. Alors tout ça se fait par âge et par genre aussi, hein, distinction homme-femme. Et donc ces quotients de mortalité, en fait, c'est la probabilité de mourir. Et qu'est-ce qu'on va faire comme hypothèse pour ces probabilités de mourir? En fait, on va supposer que les probabilités de mourir par âge vont diminuer comme elles diminuent depuis en fait maintenant de nombreuses années. Donc nous, on va poursuivre les tendances à la baisse observées depuis 1992, mais avec un rythme moins soutenu. Alors, ce n'est pas évident de vous montrer toutes les probabilités de mourir par âge, hein, parce que ça va de la naissance jusqu'à 110 ans. Donc, visuellement, ce n'est pas très pratique. Par contre, en démographie, on a ce qu'on appelle hein, l'espérance de vie à la naissance, qui est en fait un résumé de l'ensemble des probabilités de mourir par âge. Alors ici, vous avez l'espérance de vie pour les hommes et pour les femmes. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'en poursuivant les tendances observées, eh ben, en fait, on a une augmentation de l'espérance de vie hein, en 2070, mais avec un rythme moins soutenu. Et pour vous donner une idée de cette diminution de rythme de croissance de l'espérance de vie, il faut savoir que sur la période de 92 à aujourd'hui, en moyenne, l'espérance de vie augmentait de 2,5 mois par année. En projection,
on a une espérance de vie qui augmenterait de 2,1 mois par an sur la première période de projection, donc jusqu'en 2040, et à partir de 2040, une augmentation de l'espérance de vie de 1,5 mois par an. Alors, vous voyez aussi ici un petit décrochage en fait de l'espérance de vie en 2020. Alors, c'est quoi ce décrochage? Bien entendu, c'est lié à l'impact de la COVID-19 sur la mortalité. Alors, les données de décès pour 2020 sont provisoires, mais sont quasi exhaustives. Donc, elles ont été publiées mois par mois ou par stade d'aile. Et donc, sur base de ces données-là, on peut estimer que la COVID-19 a un impact sur l'espérance de vie et a même en fait diminué l'espérance de vie de 10 mois par rapport à l'espérance de vie qui était observée en 2019. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut bien comprendre cette notion de baisse de l'espérance de vie de 10 mois en 2020. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui est né en 2020 va vivre 10 mois de moins en moyenne qu'un enfant qui est né en 2019 ou qui va naître en 2021. C'est simplement un indicateur qui permet, qui dit, voilà, si un enfant qui est né en 2020 va vivre pendant toute sa vie les mêmes conditions de mortalité qui ont été observées en 2020, eh ben oui, son espérance de vie sera inférieure à 10 mois. Mais c'est évident qu'un enfant qui est né en 2020 n'aura pas les mêmes conditions de mortalité durant toute sa vie que celles observées en 2020. En quoi est-ce que cet indicateur est quand même intéressant? C'est qu'il permet de montrer la force ou l'intensité de la COVID-19 sur la mortalité. Et surtout, cet indicateur en fait contrôle l'effet de taille d'une population. Plus une population est grande, plus il y a un nombre de décès. Donc l'effet de taille de la population et aussi l'effet de structure d'âge. Plus une population est vieille, plus il y a des décès aussi. Donc c'est un indicateur qui est intéressant pour analyser vraiment l'impact de l'épidémie sur la mortalité. Mais maintenant, dans le scénario de référence qu'on a retenu, on suppose qu'à partir de 2021, l'épidémie resterait sous contrôle grâce, entre autres, à deux facteurs. Le premier, c'est le plan de vaccination, plan de vaccination progressif qui va réduire l'impact de la COVID-19 sur la mortalité. Et on suppose aussi que des mesures seraient encore prises, des mesures par le gouvernement pour limiter la propagation de l'épidémie. Ça veut dire quoi ce scénario? Ça veut dire que dans le scénario, on suppose qu'il y a encore une certaine surmortalité liée à la COVID en 2021, mais d'une manière nettement moins importante que ce qu'on a observé en 2020, et qu'à partir de 2022, il n'y aura pas de surmortalité toute cause liée à la COVID-19, parce que, entre guillemets, voilà, on aura trouvé la solution grâce à la vaccination, grâce au port du masque, etc. Et c'est pour ça que vous voyez que dès 2022, en fait, l'espérance de vie retrouve son rythme de croissance tel qu'elle avait été projetée avant la crise économique, la crise sanitaire. Alors, si on multiplie donc cette population soumise au risque de mourir avec les probabilités de mourir, on obtient donc l'évolution du nombre de décès. Vous voyez une hausse importante du nombre de décès à l'horizon 2060. Alors, cette hausse importante des décès, elle est liée à l'effet de structure de la population, donc les générations baby boom qui vont arriver à des âges où les probabilités de mourir sont le plus élevé, même si on projette une baisse des quotients de mortalité par âge. Donc il y a vraiment un effet de structure de population qui domine et qui fait qu'on aura une évolution relativement importante des décès d'ici à 2060. Vous voyez aussi le pic en 2020 du nombre de décès liés à la COVID-19. Maintenant, en 2020 aussi, c'est de manière un petit peu plus marginale, mais enfin, il y a quand même eu une petite surmortalité en lien avec la canicule observée durant le mois d'août. Alors, à nouveau, pour mettre ça en perspective,
en perspective historique. On vous montre l'évolution des desserts en Belgique depuis 1841. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Ben, on peut voir si finalement quand même le caractère assez exceptionnel de la COVID-19 sur le nombre total de décès, bien que ça n'atteint pas les niveaux qu'on a pu observer durant l'épidémie de choléra ou de variole, ou encore aussi durant l'épidémie de grippe espagnole. Mais bien entendu, on était dans des tout autre contexte. On peut aussi peut-être rappeler que ces décès en 2019, dans le cadre de la COVID, enfin, dans le cadre de la crise sanitaire, ont eu lieu alors qu'on avait des mesures, on va dire, assez fortes en termes de restrictions et d'interactions sociales. Alors, si on fait la balance, en fait, entre les décès et les naissances, hein, c'est ce qu'on appelle le solde naturel, en fait, donc la différence entre les naissances, donc ce qui va amener un effet positif sur la croissance, et les décès qui vont amener un effet négatif sur la croissance, on obtient donc le solde naturel. Et vous voyez ici que le solde naturel, ben déjà, il est négatif, et ça, c'est un petit peu exceptionnel durant cette période-ci. Donc, il est négatif suite à la crise sanitaire, de par l'impact de la crise sur les décès, donc beaucoup de décès. On a davantage de décès que de naissances. Et puis, on voit aussi que ce solde naturel est négatif à partir de 2045-2050. Et ça, à nouveau, c'est voilà, la génération baby boom, hein, où on aura cette période-là beaucoup de décès, un nombre de décès supérieur au nombre de naissances projetées. Et donc, durant cette période-ci, en fait, le solde naturel va avoir l'effet, en fait, de diminuer la croissance de la population. Maintenant, ça, c'est pour la partie, hein, solde naturel, donc ce sont les naissances et les décès. Maintenant, on va regarder la deuxième partie qui s'attarde sur les migrations internationales. Alors, on va d'abord passer un peu de temps sur l'immigration et par après sur les migrations. Alors, au niveau de l'immigration internationale, je vous propose d'abord de regarder la première courbe. C'est l'immigration totale en Belgique, la première courbe jaune, donc hein, l'immigration totale en Belgique. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est qu'en fait, sur la base du modèle qui est retenu, des hypothèses qui sont retenues dans nos projections, on aurait d'ici à 2070 donc un niveau d'immigration qui resterait relativement important, à des niveaux assez élevés, mais une certaine stabilité. Et alors cette stabilité, par contre, elle s'explique en fait par des mécanismes de compensation, à savoir qu'on aurait une augmentation de l'immigration en provenance des pays hors de l'Union européenne et une baisse de l'immigration en provenance des pays de l'Union européenne. Alors, comment est-ce que se justifie cette hausse cette hausse en provenance des pays non européens et cette baisse en provenance des pays européens? À nouveau, là, il y a deux éléments. Tout d'abord, le modèle de migration internationale tient compte de l'évolution future de la population attendue hors de l'Union européenne et au sein de l'Union européenne. Pour ça, on va utiliser les projections de population qui sont publiées par les Nations Unies et aussi par Eurostat. Et donc, la croissance attendue dans les pays hors de l'Union européenne est beaucoup plus soutenue, en fait, que la croissance attendue dans les pays au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, au sein de l'Union européenne, certaines parties, en partie les nouveaux États membres de l'Union européenne, vont même connaître dans les prochaines années une décroissance de leur population. Il y a aussi un impact, on va dire, ces dernières années, en fait, suite à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne, hein, Bulgarie, Roumanie, il y a eu ce qu'on appelle un effet d'appel suite à l'adhésion. Donc, on l'a observé aussi pour la Pologne, en fait. Donc, en fait, quand la Pologne a pu intégrer l'Union européenne, il y a eu énormément d'immigration en provenance de la Pologne. Et puis, après un certain temps, ça se stabilise, voire ça diminue. Eh ben, on a un petit peu cet effet-là ici pour le moment. On a une immigration assez importante en provenance de la Bulgarie, de la Roumanie. Et on applique un petit peu le mécanisme qu'on a pu observer pour la Pologne. C'est qu'après un certain temps, on suppose aussi que ce flux d'appels, on va dire, vont progressivement se stabiliser, voire diminuer.
Alors, si vous avez toujours en tête ici la ligne jaune, hein, qui est l'immigration internationale totale pour la Belgique, on va regarder l'hypothèse spécifique qu'on a retenue dans le cadre de la crise sanitaire. Faut savoir que donc on a les observations jusqu'au 1er janvier 2020, et donc les mouvements de migration en cours de l'année 2020 ne sont pas encore observés. Pour les décès et les naissances, on a pu, grâce au travail réalisé par Stabel, avoir des statistiques provisoires, mais pas pour l'immigration et pas pour l'immigration. Donc là, on a vraiment fait des hypothèses spécifiques. Toujours dans cette idée que, voilà, 2020, de la situation de la crise, on la connaissait et on connaissait les mesures qui ont été mises en place. Pour 2021 et 2022, on suppose que l'économie sera sous contrôle et qu'il y aura notamment des mesures qui sont déjà prises pour limiter la propagation du virus. Toujours est-il qu'en 2020, suite aux différentes décisions prises par les différents gouvernements, que ce soit au niveau national et même international, hein, au niveau de l'Europe, les flux migratoires, ont été extrêmement limités. Et donc, on suppose qu'en 2020, on aurait une baisse de 50% des flux d'immigration suite à ces mesures restrictives sur les mouvements d'un pays à un autre. Pour l'année 2021, on suppose, et c'est encore le cas pour le moment, que voilà, les flux ne sont la possibilité d'aller d'un pays à un autre ne sont pas encore totalement libres et qu'il y a encore des contraintes. Donc, on suppose aussi qu'en 2021, on aura toujours une baisse de l'immigration, mais moins importante que ce qu'on a observé en 2020. Donc, on suppose une baisse de 25% de l'immigration en 2021. Pour la période 2022-2026, là, on fait une hypothèse aussi assez spécifique dans le sens où on se dit l'ensemble des projets migratoires qui n'ont pas pu avoir lieu durant la crise sanitaire ne seront pas abandonnés. Une certaine partie va être en fait postposée. On peut penser au regroupement familial, on peut penser aussi aux demandes d'asile en fait qui n'ont pas pu être enregistrées, etc. On peut penser aussi aux migrations dans le cadre d'une activité économique. Donc, il y aura certains mouvements qui n'ont pas pu avoir lieu et qui devraient être récupérés. Et donc, on a supposé que 50% des flux migratoires qui n'ont pas été réalisés en 2020 et 2021, en fait, seraient récupérés de manière assez équitable, on va dire, sur la période 2022-2026. Et donc, vous voyez une chute importante, en fait, par hypothèse, des flux d'entrée en Belgique en 2020 et aussi en 2021, mais dans une moindre mesure. Alors, on va parler aussi de l'émigration, hein. Souvent, on parle d'ailleurs souvent uniquement de l'immigration, mais l'émigration est une composante importante aussi de la croissance de la population. Malheureusement, pour l'émigration, on a beaucoup moins d'études fouillées qui permettent d'analyser en fait quelle est l'origine de ceux qui sont partis, pour quels motifs les gens sont partis et pourquoi. Tout simplement parce que quand on arrive en Belgique, il faut s'enregistrer au registre de population. Et on a des motivations pour le faire, ok? Tandis que, ou des intérêts pour le faire. Tandis que quand on quitte la Belgique, en général, on va très peu déclarer qu'on quitte un pays parce qu'il y a moins de motivation ou d'intérêt pour le faire. Alors, heureusement, l'appareillage statistique est bien fait et on a ce qu'on appelle les radiations d'office, donc les agents communaux, etc., qui après un certain temps observent qu'il n'y a plus personne qui habite à telle résidence, on a ce qu'on appelle donc une radiation du registre national. Donc, ce qui permet d'avoir une statistique d'émigration relativement fiable pour la Belgique, mais avec peu d'informations sur les motifs d'émigration. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on a pris une hypothèse sur base de l'observation historique. On a vu en fait que l'émigration suivait l'évolution de l'immigration, mais avec quelques années de décalage. On avait estimé ça à 6 ou 7 ans. Et donc, en fait, en projection, on fait ce même mécanisme, c'est qu'on suppose que les émigrations vont suivre la même évolution que les immigrations, mais avec un certain décalage dans le temps, donc de 5 ou 5, 6, 7 ans. Donc, vous voyez ici en courbe, en gris, l'évolution de l'émigration internationale, donc qui resterait aussi, tout comme pour l'émigration, à un niveau relativement élevé, mais avec une certaine stabilité.
Alors, de nouveau, hein, la crise sanitaire est passée par là et il a fallu faire une hypothèse spécifique sur le court et le moyen terme. Ben là, on a pris exactement la même logique que pour l'immigration, à savoir qu'on a forcément les gens qui ne pouvaient pas rentrer suite aux mesures prises par les différents gouvernements, mais d'autres ne pouvaient pas sortir non plus. Donc, on bloquait à la fois les entrées et les sorties. Donc, les flux d'immigration en 2020, on suppose aussi qu'ils auraient baissé de 50%. Pour 2021, on fait une hypothèse, une diminution de 25%, donc comme pour la migration, l'immigration internationale, et puis avec un effet de récupération partielle sur la période 2022-2026. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en net? Donc, quand on dit en net, ça veut dire la différence entre les immigrations, donc les entrées, et les émigrations, les sorties. Donc, on a donc, vous voyez ici, ça c'est la différence en net, les petites barres en orange. On voit que la migration internationale dynamise en fait la croissance de la population en Belgique, à la fois depuis 1992, surtout depuis 2000 aussi, et aussi en projection. Hein, donc ce solde migratoire est positif sur l'ensemble de la période de projection. Et on a, suite à la crise sanitaire, quand même un impact important en fait de cette crise. D'abord à la baisse, hein, ici on a une diminution du solde migratoire. Mais vous voyez, suite à l'hypothèse de récupération partielle, que finalement, sur la période 2022-2026, on a un petit effet de récupération. Et donc, le solde migratoire est légèrement plus dynamique, en fait, durant cette période. Qu'est-ce que l'ensemble de ces hypothèses, hein, quand on injecte toutes ces hypothèses dans notre modèle itératif, hein, comme j'ai expliqué au début, de rajouter les naissances et les immigrations et de soustraire les décès et les émigrations. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la projection de population pour la Belgique? Donc là, vous voyez la même courbe en fait que je vous ai présentée en tout début de ce séminaire. Qu'est-ce qu'on peut déjà observer pour aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse? C'est qu'en fait, la croissance projetée à l'horizon 2070, donc sur 50 années, et donc 1 275 000, est inférieure à la croissance totale observée sur les 28 dernières années. Donc, on a un rythme de croissance, on a une population qui chaque année va augmenter, mais un rythme de croissance beaucoup enfin, plus faible que ce qu'on a pu observer sur ces 30 dernières années. Alors, comment on peut voir un peu plus en détail ce qui se passe au niveau des composantes de la croissance? Donc, en fait, déjà, vous voyez ici, donc la croissance de la population, ici, vous avez les effectifs. Donc, ce sont le nombre d'habitants supplémentaires en Belgique par an, OK? Dans les petites barres ici en orange. Et donc ces barres en orange, ça correspond à quoi? À la somme à la somme du solde migratoire international et du solde naturel en gris. Et donc sur les 30 dernières années, on voit que la migration, le solde migratoire international a été un élément important de la croissance démographique en Belgique. Vous voyez que pour 2020 et 2021, donc ça c'est les barres orange assez fortes, bon, on a une croissance de la population très faible en fait en 2020 et un peu plus importante, mais toujours inférieure à ce qu'on aurait observé en fait en l'absence de la crise sanitaire. Donc voilà, on voit le réel impact de la crise sanitaire sur la croissance démographique en 2020 et 2021, qui s'explique par une baisse du solde naturel suite à la hausse des décès, mais peut-être et surtout par la baisse des flux migratoires. Vous voyez ici que la croissance aussi, sur la croissance, donc le nombre d'habitants supplémentaires en 2022, 2023, etc., jusqu'en 2026, est un petit peu plus dynamique aussi suite à l'effet de récupération des flux migratoires. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie du séminaire, où on souhaite vous montrer en fait l'impact de la COVID-19 et de la crise sanitaire de manière plus générale sur la projection de population. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé un scénario qui fait comme si l'épidémie de la COVID-19 n'était pas apparue.
Donc, si on n'avait pas eu l'épidémie de la COVID-19 et qu'on n'avait pas dû faire des hypothèses spécifiques dans ce cadre-là, on aurait eu, en 2070, une population, à la ligne en gris, une population plus importante à hauteur de 150 000 habitants en plus en Belgique en 2070. Donc, la COVID-19 nous mène à une réduction de la croissance de la population à long terme. Alors, cette croissance de la population, cette diminution finalement de la population à long terme, elle s'explique surtout par les hypothèses qu'on a prises pour la période de court et de moyen terme. Donc, à savoir, bon, on a plus de décès, ok, on a une migration plus faible aussi et une fécondité plus faible. On l'a vu tout en début de présentation, donc une reprise de la fécondité qui est quand même freinée en fait par la crise de la COVID-19. Alors, regardons en détail ce qui se passe justement sur les 10 prochaines années. Donc ici, vous avez le nombre d'habitants supplémentaires en Belgique par an dans le scénario de référence. Okay. Donc, une croissance très faible en 2020. Et puis, encore en 2021, une croissance qui est impactée par la crise sanitaire et en particulier la migration internationale. Et puis, on a une croissance qui reprend, qui reprend un rythme un peu plus soutenu. Comment est-ce qu'on peut comparer ça avec le scénario où on n'a pas la crise de la COVID-19? Eh bien, c'est, vous avez ici dans les barres en gris, en fait, la croissance annuelle de la population telle qu'elle aurait été projetée si on n'avait pas eu la COVID-19. Alors, comment s'expliquent les différences? Ben, pour 2020 et 2021, on a une croissance dans les projections actuelles beaucoup moins importante parce qu'on a une hausse des décès, mais aussi une migration internationale plus faible. Et puis, vous avez par contre, dans le scénario actuel, une croissance de la population un tout petit peu plus dynamique sur la période 2022 et 2023. Que dans un scénario, on va dire, sans Covid, et ça s'explique parce qu'on introduit un effet de récupération de la migration durant cette période-là. Et puis après, en fait, on a l'effet, on va dire, négatif de la crise sur la fécondité, donc une reprise de la fécondité à l'horizon 2035-40, mais beaucoup plus lente à cause de la crise sanitaire. Alors, un dernier graphique aussi avant de passer au défi, c'est au défi auquel devrait faire face la Belgique dans les prochaines années, c'est de vous montrer en fait l'impact de la COVID-19 sur le nombre de décès attendus dans les prochaines années. Alors ici, vous avez d'abord sur les barres orange le nombre de décès tel que projeté dans la projection donc, de référence qui tient compte de la crise sanitaire. Donc, un nombre plus important de décès. Attention, ici, l'échelle hein, commence à 100 000. Donc, on est à 127 000 décès quasi observés, hein, statistiques provisoires en Belgique en 2020. Donc, un nombre de décès assez important. Et puis, on va dire un nombre de décès qui retrouve un rythme un petit peu plus normal. Ceci dit, si on prend le scénario qui ne tient pas compte de la COVID-19, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait qu'en 2019, par rapport à un scénario sans COVID, qu'en 2020 et en 2021, on aurait une surmortalité de 19 000. Okay, alors, la surmortalité en 2020 est plus ou moins estimée à 16 000. Il faut savoir, comme je l'ai dit aussi, qu'on suppose encore une légère surmortalité pour 2021. Qui devra être vérifié, bien entendu, donc à hauteur de 3 000. Okay, donc c'est pour ça qu'on arrive à un nombre de décès supplémentaires dans la projection de référence par rapport à une projection sans COVID de 19 000 décès. Et si on compare en fait la projection du nombre de décès dans les 10 prochaines années, on voit en fait que dans la projection de référence donc, qui tient compte de la COVID, on a dans les 10 prochaines années 13 000 décès en moins. Donc, comme Saskia l'avait dit en introduction à ce séminaire, donc on a effectivement ici beaucoup plus de décès en 2020, surtout un petit peu plus en 2021, qui sont compensés
par moins de décès dans les prochaines années. Là où c'est intéressant, c'est que cette compensation, elle se passe sur 10 années et même au-delà. Parce qu'après 10 ans, on a arrêté le graphique en 2030, on arrive à une compensation de 13 000. Okay, donc, on ne sait pas mourir deux fois. Donc, une fois qu'on est mort, forcément, il faudrait que ces 13 000 dans notre projection, mais en fait, pour arriver aux 19 000, il faut encore rajouter quelques années supplémentaires. Donc, il y a quand même un message intéressant quand on compare ceci, c'est que de temps en temps, on entend qu'en fait, la COVID-19 a surtout eu un impact sur les plus fragiles qui allaient mourir dans les semaines, dans les mois, voire dans l'année qui vient, hein, ce qu'on appelle l'effet moisson en démographie. En fait, quand on regarde ça, on peut plutôt se dire qu'on est quand même loin d'un effet moisson, dans le sens où cette compensation des 19 000 décès supplémentaires, en fait, elle va se faire dans les 10, voire 15 prochaines années, et pas dans l'année ou les deux années qui suivent. Alors, pour terminer la présentation, on va passer au défi. Le défi, vous le voyez déjà à l'aide, hein, le grand défi de la Belgique, mais aussi de beaucoup de pays industrialisés dans les prochaines années, c'est le vieillissement. Le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population qui pose plein de questions, plein de défis. Bien sûr, on pense à la soutenabilité des finances publiques, au coût budgétaire du vieillissement, etc. Mais il faut aussi se poser la question du logement, de la mobilité, de la qualité de vie, des soins de santé dans une Belgique qui vieillit. Et aussi, ça a été mis en évidence suite à la crise sanitaire, l'importance aussi de la solidarité intergénérationnelle. On a aussi une Belgique qui est confrontée à un niveau de fécondité relativement bas. Alors, on entend parfois qu'il faudrait mettre en place des politiques natalistes, en fait, pour essayer de faire remonter la fécondité, voire éventuellement qu'il faudrait remonter la fécondité, que ça pourrait résoudre, en fait, en partie le vieillissement de la population. Maintenant, dans ce contexte-là, il faut savoir qu'en fait, une naissance, c'est un choix individuel ou un choix au niveau des couples. Et donc, parfois, il ne suffit pas de mettre en place une politique pour que les couples décident eux-mêmes d'avoir un enfant ou un enfant supplémentaire. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les articles, les études sur l'impact de politiques natalistes ou pronatalistes sur la fécondité dans les pays industrialisés, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en général, les politiques natalistes vont plutôt soutenir les couples pour réaliser le projet de fonder une famille et non pas d'augmenter le nombre d'enfants désirés. Et donc la question de la natalité doit se poser au sein de la société, bien sûr, mais sans oublier qu'il s'agit de choix individuels. Et sans doute aussi, et là on a d'autres publications qui le montrent, il ne faut pas penser que la natalité va pouvoir résoudre le vieillissement, et ce, d'autant plus que la problématique du vieillissement, c'est dans les 20 prochaines années. Or, si on fait plus d'enfants maintenant, avant que ces enfants arrivent dans l'âge de la population active, eh ben, il faudra attendre 20 ans. Donc, c'est trop tard au niveau du timing. Dernier élément, la croissance démographique en Belgique est stimulée par la migration internationale. Et la migration internationale concerne en particulier des gens d'âge actif. Ok, donc se pose toute la question de l'intégration de cette population sur le marché du travail, dans la société, etc. Tout ça aussi dans un contexte où finalement on a observé que les contrôles aux frontières avaient très peu d'impact sur les flux migratoires. À nouveau, pourquoi? Parce qu'un mouvement migratoire est le résultat de décisions individuel. Et que donc si un individu, une famille a décidé de migrer, en fait, si un canal est fermé, entre guillemets, ils vont trouver d'autres canaux de migration, que ce soit d'autres motifs ou d'autres, d'autres motifs administratifs, enfin, d'autres filières administratives ou d'autres motifs tout simplement. Ce qui est important aussi de mentionner enfin dans cette question de la migration, c'est que souvent on entend parler de l'immigration et pas de l'émigration. Or, les deux doivent être intégrés dans la réflexion, hein, que ce soit au niveau de la gestion des flux, ben, il faut à la fois penser en termes d'entrée et de sortie. Alors, pour finir, hein, ici, on a présenté
un scénario possible. Parmi ce scénario possible, il y a énormément d'incertitudes. Ces incertitudes, elles peuvent être un petit peu mises en avant à travers l'analyse d'impact, de scénarios alternatifs, à travers d'autres types de modèles qui montrent des intervalles de confiance, etc. Mais s'il y a bien un message où l'incertitude est quasi nulle, c'est que la Belgique va vieillir, la Belgique va se diversifier et que donc la Belgique doit s'adapter à partir déjà de maintenant, doit s'adapter à l'évolution de sa structure, de sa population, donc une population qui vieillit et plus diverse aussi. Voilà, ça c'était pour ma présentation. Je pense que maintenant, c'est le temps des questions, des réactions. Je regarde le chat, je prends quelques instants. Alors là, je vais. Ok, une première question qui me rend, quelle est la part Covid-19 et canicule sur les décès en 2020? La canicule, quand on voit les chiffres, elle aurait généré entre 1000 et 1500 décès supplémentaires. La question n'est pas inintéressante, parce que, par exemple, la France a connu une canicule assez importante en 2003, si je me trompe, oui, c'est 2003. Et avec un impact très fort sur les décès. Et suite à ça, la France a mis en place un plan canicule et qui a bien fonctionné. Maintenant, quand il y a des canicules en France, on voit que cette politique a un effet bénéfique en fait sur la mortalité. C'est que il n'y a plus de gros effets sur la mortalité suite aux canicules qui sont apparues après en France. Et donc, effectivement, maintenant, on a un très gros focus sur la COVID-19 et d'éventuelles épidémies dans le futur. Mais les canicules aussi sont un des éléments, on va dire, où des politiques pourraient être mises en place pour éviter l'impact de canicules sur la surmortalité. Oui, alors il y a aussi une question, donc je la lis en vitesse, la COVID-19 n'est pas appréhendée en tant qu'impact, n'est appréhendée probablement en tant qu'impact direct hein, sur les décès, mais pas en direct, en ce sens que le non-traitement de pathologie ou la non-prévention durant cette période aura des effets certains à moyen et long terme sur le nombre de décès, qu'en pensez-vous? Oui, c'est bien probable, effectivement, il y a énormément de soins qui ont été reportés, voire annulés, donc des soins qui ne sont pas liés à la COVID-19 et que ça pourrait avoir des conséquences sur la santé. Maintenant, à partir du moment où c'est un phénomène extrêmement nouveau, récent, et qu'on n'a pas de données, de mesures pour ça, on ne peut pas l'intégrer dans des projections, certainement pas dans une projection de référence. Par contre, ce qu'on a fait dans le rapport, c'est qu'effectivement, on a pris une hypothèse un petit peu plus... On a fait un scénario alternatif avec une hypothèse un petit peu plus pessimiste sur l'évolution des quotients de mortalité par âge. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez voir comme ça la sensibilité de la projection de population à une variation, en fait, une hypothèse alternative sur les quotients de mortalité par âge. Alors, des évolutions particulières sont-elles à signaler entre les régions dans ces projections? Alors, peut-être sans surprise, Bruxelles, bien entendu, a une structure d'âge très spécifique par rapport aux deux autres régions. Et en plus, Bruxelles est une grande ville. Les deux autres régions, c'est un mélange de villes et de zones plus urbaines. Donc, la démographie bruxelloise et voilà, l'évolution de la population à Bruxelles a un autre dynamisme. Par ailleurs, il y a aussi, quand on regarde la projection au niveau des régions, la composante migration interne entre régions qui joue aussi. Ça, c'est aussi mis en avant dans le rapport. Maintenant, un élément qu'on a aussi mis en avant dans le rapport par rapport aux régions, et c'est par rapport justement à la natalité, l'évolution du nombre de naissances.
Et rappelez-vous ces deux composantes. Hein, on disait que l'évolution du nombre de naissances, à la fois, ça dépend du nombre moyen d'enfants par femme et du nombre total de femmes en âge d'avoir des enfants. Alors, l'évolution du nombre moyen d'enfants par femme est relativement similaire. Il y a des niveaux qui sont différents, mais les évolutions sont relativement similaires entre les régions. Par contre, l'évolution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants est différente selon les régions. En Flandre, on a une population en âge d'avoir des enfants qui est en progression beaucoup plus dynamique qu'en Wallonie. Et donc, ça a un effet sur l'évolution des naissances. L'évolution des naissances en Flandre va être un petit peu plus dynamique que l'évolution du nombre de naissances en Wallonie suite à cette évolution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Voilà. Maintenant, dans le rapport qu'on a publié hier, il y a pas mal de résultats qui sont détaillés au niveau des régions. Je remonte. Il y a une question, mais je ne sais pas. Peut-être que vous me donnerez une explication par mail, monsieur Verdonck. Quelle est la cause de la baisse du nombre de femmes alors que la population est croissante? Voilà, peut-être envoyez-moi la question de manière un peu plus précise. Est-ce que c'était par rapport à un graphique bien spécifique? Ah oui, ici, donc, in the Vlaams media was er sprake van een corona baby boom in 2021. Deze hypothese gaat daar dus tegenin. Zijn er nog geen betrouwbare cijfers over de geboorte begin 2021? Donc, effectivement, dans la presse, il y a eu énormément de discussions et de débats sur l'éventuel baby boom ou pas. Alors, il y a déjà des statistiques qui sont disponibles pour janvier et février. Et là, on remarque pas de baby boom. Plutôt une baisse. Maintenant, janvier, février et même décembre aussi. Hein, décembre était le premier mois, on va dire, hein, le confinement a commencé en mars. Donc décembre était le premier mois où on pouvait commencer à observer les naissances suite au lockdown du mois de mars. Donc les premiers chiffres ne montrent pas de baby boom. Mais Stadbelle va publier tous les mois maintenant les statistiques sur les naissances. Donc c'est une statistique qu'on va suivre de près. Je pense que c'est tout au niveau des questions. Donc voilà, je crois que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir tout doucement arrêter le séminaire juste à temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. Donc moi, mon adresse mail, c'est vm@plan.be. Vous pouvez aussi, vous trouverez toutes les informations en fait sur le site web du bureau du plan et vous serez tenu au courant par nos différents canaux de communication, hein, le site web, le mailing list, Twitter aussi, on a aussi maintenant donc la chaîne YouTube. Voilà, vous serez tenu au courant de nos prochains événements par tous ces différents canaux. Voilà, merci pour votre attention et on reste disponible bien entendu par mail. À bientôt.